Jean-Pierre. La fiscalité sur le gazole va augmenter de 10% en 2018, ce qui va avoir un impact sur le prix du gazole, effectivement, mais aussi sur la différence de prix avec l'essence sans plomb. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand vous faites le plein de votre voiture, il y a plus de 60% de ce que vous payez qui va directement dans les caisses de l'État. Mais si vous roulez au diesel, le montant de toutes ces taxes est moins élevé que pour l'essence sans plomb. Donc l'idée, c'est de rapprocher le prix de l'essence sans plomb et le prix du diesel avec cette hausse de 10%. En fait, le prix à la pompe du litre de gazole, il va augmenter mécaniquement de 7,5 centimes. Alors, si le prix du pétrole reste au niveau où il est actuellement, si l'euro reste fort, parce que je vous rappelle qu'on paye notre pétrole en dollars, donc il faut que l'euro soit fort, eh bien, si tout ça se maintient, ça ferait que le litre de gazole serait autour de 1,30 €. Alors du coup, comme pour les cigarettes, ça va devenir rentable d'aller faire son plein chez nos voisins, comme lorsqu'on habite près d'une zone frontalière, bien sûr. Bah, écoutez, on a fait une carte, vous allez regarder, ça montre très très bien les différences de prix autour de nous. D'ores et déjà, il est vraiment financièrement intéressant d'aller faire son plein, évidemment, au Luxembourg, 99 centimes le litre de gazole. Mais il y a encore mieux, hein, c'est Andorre, la principauté d'Andorre, 92 centimes, c'est le prix le plus bas d'Europe. Tout est lié en fait à la fiscalité, là encore. Hein. Si j'enlève les taxes, si je regarde le prix du gazole hors taxes, eh bien, est-ce que vous savez que c'est en France? Il y a la Slovénie aussi, mais c'est en France que le prix hors taxe est le plus bas d'Europe. On est à 47 centimes le litre. Pour vous donner une idée, en Espagne, c'est 6 centimes hors taxe de plus. Et pourtant, c'est en Espagne qu'il est plus intéressant, nettement plus intéressant d'aller faire son plein. Voyez, c'est le paradoxe des taxes. Alors, mais est-ce que dans tous les pays, il y a une différence aussi importante entre le prix du gazole et le prix de l'essence sans plomb? Alors, oui. Au sein de l'Union européenne, c'est la règle, et c'est pas en France que la différence entre l'essence et le diesel et le gazole est le plus fort. C'est au Luxembourg, justement. L'essence, elle est plus chère au Luxembourg, 17% plus chère. Mais il y a, chez nos voisins, alors hors de l'Union européenne, en Suisse, une exception. Là, l'essence sans plomb, elle est moins chère que le gazole. Et pourquoi? Eh bien, parce que la Suisse n'a jamais incité fiscalement les automobilistes à choisir le diesel, et ça se ressent. Et ça se ressent dans les achats de voitures, puisque il y a vraiment que ceux qui roulent beaucoup, beaucoup, qui ont besoin ou qui ont envie d'acheter une voiture diesel. Résultat, dans le parc automobile en Suisse, vous avez grosso modo 30% des automobilistes qui roulent au gazole. C'est deux fois moins qu'en France. Merci beaucoup, Pierre Kupferman.